bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Boursofocus, le magazine dédié aux offres et aux services de Boursorama Banque. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Julien De Freitas, chef de produit épargne et placement chez Boursorama Banque, et Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock pour la France. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, nous sommes ensemble pour faire le point sur Matelas, le plan d'épargne retraite individuelle lancé par Boursorama en collaboration avec BlackRock. Julien, on l'a lancé, ce Perrin Made in Boursorama, il y a presque un an tout pile. Je suis désolé, je n'ai pas de gâteau avec des bougies, mais le cœur y est. On rappelle peut-être ce qu'est le PER et comment il fonctionne. Tout à fait, Laurent. Alors déjà, le PER, plan d'épargne retraite, c'est bien de le préciser, c'est un produit d'épargne retraite qui a été lancé en 2019 par le gouvernement dans le cadre de la loi Pacte. Et à l'époque, il y avait, une réelle volonté d'apporter de la nouveauté dans le paysage de l'épargne retraite en France. De la nouveauté, pas que, aussi peut-être un peu d'ordre, parce qu'il y avait des dispositifs, un petit peu de multiples dispositifs, comme le PERP pour les particuliers, ouais. Les Madelins. C'est très atomisé, très hétérogène, pas le simple. Le PERCO, les articles 83 côté employeur. Donc là, la volonté, c'était vraiment d'harmoniser et de proposer un seul dispositif. Donc ça, c'était le premier objectif. Le second, qui découle un peu du premier, c'est l'opportunité ici de regrouper tous ces produits d'épargne dans un seul dispositif. Puisque, je donne un exemple assez basique, vous êtes salarié, vous avez fait plusieurs boîtes pendant votre carrière professionnelle, vous avez sans doute plusieurs articles 83 un petit peu à droite, à gauche. Là, vous pouvez vraiment, via des transferts, les rapatrier sur un pair et avoir son épargne retraite concentrée au même endroit. Donc ça, c'est des éléments importants. On parlait de nouveautés. Je pense qu'aussi le but de cette réforme, c'était de rendre plus attractive l'épargne retraite en y apportant des nouvelles fonctionnalités. Je m'explique. Par exemple, vous avez maintenant la sortie en capital à 100%, ce qui n'était pas du tout le cas dans les anciens dispositifs. Toujours des dispositifs un peu limitants. Exactement. Ouais. Vous étiez le plupart du temps cantonné à sortir sur de la rente, parfois en capital, mais de manière un petit peu proportionnelle ou en tout cas pas à 100%. Partiel. Voilà, ouais. Partiel, pardon. Vous avez ce point-là. Et alors là, un point très important, je pense qu'il était très intelligent pour proposer ce type de produit un peu plus pour les jeunes, la sortie pour l'achat de la résidence principale en cours de vie du produit. Mmh. Parce que je rappelle que sur ces produits, vous êtes bloqué jusqu'au départ à la retraite, mais l'État a apporté un petit peu plus de flexibilité. Un peu de souplesse. Et a apporté ce cadre des blocages qui est quand même très intéressant, puisque je pense qu'au début, on met un petit peu de côté pour acheter sa résidence principale, on pense après à la retraite. Là, le dispositif répond à ces deux objectifs, donc c'est intéressant. Bon, voilà pour les grandes lignes, la philosophie d'investissement, et on voit que ça a quand même apporté pas mal de nouveautés bienvenues. Forcément, chez Boursorama, on avait envie de le faire à notre sauce Perrin avant de le proposer à nos clients. Ça donne Matelas, le PER, le moins cher du marché. C'est pas nous qui le disons, c'est la presse. C'est la presse. Ouais. Alors, on est très fiers de ce label. On est la banque la moins chère depuis 14 ans. Donc, on a voulu faire la même chose avec le PER. Mmh. On espère que ça durera autant. Voilà, donc on s'explique. Donc, la promesse, c'est quoi sur Matelas? C'est moins de 1% de frais, tout compris. Donc, il y a plusieurs types de frais sur un contrat. Il y a des frais qu'on va appeler d'opération. Par exemple, quand vous faites un versement. Ça, c'est très simple. C'est assez classique. Chez Boursorama, c'est zéro tout le temps. Ça, c'est pas difficile à retenir. Ensuite, vous avez les frais, on va dire, de gestion, qui se décomposent en trois parties. Les frais d'enveloppe, donc on va dire les frais du contrat, qui sont là de 0,50, donc c'est les frais qui sont prélevés par votre assureur. Vous avez également, puisque Matelas est un contrat en gestion pilotée, donc vous déléguez la gestion de votre contrat à des experts, donc ça se rémunère, ce qu'on appelle les frais d'allocation, qui sont de 0,27. Et enfin, dans cette gestion, vous y mettez des fonds, qui eux-mêmes ont besoin d'une gestion, où les frais sont de maximum de 0,22. Si on additionne le tout, on arrive à 0,99. Donc la promesse est tenue, moins de 1%, en sachant que ça, c'est les frais maximum. Évidemment, en fonction de votre profil, en fonction de la durée de votre investissement, vous pouvez être à moins. Mais en tout cas, vous ne serez jamais à plus. Bon, les frais, c'est bien, mais ce n'est pas tout ce qui fait un beau produit. J'imagine qu'il y a d'autres caractéristiques attrayantes Matelas. Qui sont très propres aussi à Boursorama, l'accessibilité. Un versement dès 150 euros, vous pouvez ouvrir le contrat. Les versements programmés, on aime bien le rappeler parce que ça vous permet d'épargner sans y penser dès 50 euros par mois. Évidemment, un parcours en ligne, super simple, en 5 minutes, vous pouvez ouvrir votre matelas. Bon ben voilà, des caractéristiques typiques des produits Boursorama. Je vais me tourner maintenant vers vous, Henri. On l'avait déjà expliqué dans l'émission de lancement, mais ça date un petit peu, presque un an de Matelas. Est-ce qu'on peut justement réexpliquer ce concept de gestion pilotée et puis la composition des différents profils de Matelas? Bien sûr. D'abord, une gestion pilotée, la définition, c'est une gestion dans laquelle la
proportion entre les grandes classes d'actifs, les actions, les obligations, le fonds en euros, va être déterminée, va être fixée par un gestionnaire d'actifs, en l'occurrence ici BlackRock. C'est ça une gestion pilotée. Et ensuite, on va le faire au travers de trois grilles différentes, tu l'as dit, prudent, équilibré, dynamique, tout simplement parce qu'il faut que chaque client puisse trouver un profil qui lui convient, qui convient à son profil et à son appétit pour le risque. Et évidemment, on comprend bien que dans un profil prudent, on va structurellement moins investir dans les marchés d'actions, qui sont traditionnellement plus volatiles, plus risqués, mais aussi plus performants dans la durée. Et donc, ces grilles prudentes vont être moins sensibles aux mauvaises nouvelles, par exemple, mais elles vont aussi être moins performantes dans la durée sur des horizons longs. À l'autre extrémité du spectre, on va avoir des profils plus dynamiques qui vont être plus exposés au marché d'actions, donc évidemment plus performants dans la durée, mais aussi plus risqués à court terme, dans la mesure où ils vont être plus sensibles aux mauvaises nouvelles, comme on a pu en avoir cette année. Bon, et on rappelle, oui, sur le choix des profils, c'est fonction, quand on souscrit son PER, on va être, en fonction des réponses qu'on va faire, orienté vers l'un ou vers l'autre. Tout à fait. Alors, je rajoute, pour caractériser ces profils, que déjà, Julien le rappelait, ils ne sont investis qu'au travers d'ETF. Ce sont des produits indiciels à très faible coût. Ça, c'est vraiment une caractéristique de ce contrat. La deuxième caractéristique, c'est que ce sont des ETF ESG, labellisés par l'AMF, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte de critères de type environnementaux, sociaux, gouvernance. Finance durable. Finance durable, d'une certaine manière. La troisième caractéristique, et je crois que c'est très important, surtout en cette période volatile, c'est que ce sont des grilles globales. BlackRock est un gérant d'actifs global. On investit sur l'ensemble des marchés mondiaux, marchés d'actions, marchés obligataires, de manière à diversifier au maximum le risque, mais aussi à capter les opportunités de rendement là où elles sont. Et les trois grilles sont des grilles globales de ce point de vue-là. Bon, on parle de gestion pilotée. Avec Matla, on parle aussi de gestion à horizon. Qu'est-ce que c'est la gestion à horizon, là aussi? Petite révision utile. Alors, la gestion à horizon, c'est vraiment une caractéristique de ces produits d'épargne retraite, telle qu'elle a été prévue par la loi Pacte. C'est une gestion qui intègre l'horizon d'investissement de l'épargnant, en l'occurrence ici, sa date théorique de départ en retraite. Et on comprend bien que plus on se rapproche de cette date de départ en retraite, finalement, plus l'horizon se réduit. Et donc, plus on a besoin de réduire le risque de son portefeuille. Tout simplement parce qu'on a moins de temps devant soi, donc on aura moins de temps pour récupérer éventuellement d'une baisse des marchés. On sait que les marchés baissent très vite et ils mettent du temps à remonter. Donc si vous avez une très forte baisse l'année ou dans les 2 années qui précèdent votre départ en retraite, vous n'aurez pas forcément le temps de récupérer baisse parce que votre horizon est trop court. Donc une gestion à horizon, c'est une gestion dont on va progressivement ajuster le niveau de risque, donc l'exposition aux actifs risqués, les actifs actions, au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette date théorique de départ en retraite. Et on va le faire pour l'intégralité des clients et pour les trois grilles, prudent, équilibré et dynamique. Bon, Henri, vous parliez de volatilité sur les marchés. Alors qu'on souffle cette première bougie, il s'en est passé des choses. Qu'est-ce qui s'est passé justement sur les différentes allocations après une année qui s'est annoncée pour le moins compliquée, on peut le dire? Si vous me passez l'expression, les trois allocations ont passé l'épreuve du feu. Tout simplement parce que cette année 2022, elle va rentrer dans les annales, sur les marchés financiers. Déjà parce que depuis 50 ans, il n'y a eu que 3 années pendant lesquelles les marchés d'actions et les marchés d'obligations ont baissé en même temps et jamais dans des amplitudes comparables. C'est vraiment une première. Et ensuite parce que quand on regarde ce qui s'est passé en 2022, quand on refait le film, on se rend compte que la séquence de choc à laquelle les marchés financiers ont été confrontés est vraiment exceptionnelle. On a d'abord eu un choc lié au redémarrage post-pandémique. Celui-là, il datait de 2021, ça n'a pas été une surprise. Il s'est poursuivi tout au long de l'année 2022. Il commence d'ailleurs progressivement à s'estomper. C'est lui qui est responsable de l'essentiel de l'inflation qu'on observe aux États-Unis. Mais ça n'a pas été le seul choc, puisqu'on a eu aussi un nouveau choc de type Covid en Chine. La Chine a reconfiné de manière perlée tout au long de l'année 2022 et ça a généré de nouvelles tensions sur les chaînes de production, les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et le troisième choc, évidemment, il n'aura échappé à personne, c'est un choc sur les prix des matières premières. Alors celui-là, il avait aussi commencé en 2021 et on va dire, il était bien identifié puisqu'il est lié à la nécessité de décarboner nos économies. Donc on savait qu'on allait voir progressivement les matières premières énergétiques monter.
Le problème, c'est que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'accélérateur du conflit ukrainien, ça agit comme un catalyseur dans une réaction. La réaction s'est mise d'une certaine manière à diverger. Ouais. Et là, on a vraiment subi, les économies ont subi un énorme choc sur les prix des matières premières énergétiques, en particulier l'Europe. C'est vrai aussi dans le reste du monde, mais c'est moins vrai qu'en Europe. Donc tout ça mis bout à bout, quand on regarde bien, un choc lié à la reprise post-pandémique, un choc Covid en Chine, un choc énergétique, c'est trois chocs inflationnistes. Donc on a eu en 2022 une accélération massive de l'inflation, vous l'avez tous remarqué, en France déjà, mais ailleurs dans le monde parfois des chiffres d'inflation à deux chiffres. Hein. Oui. On a eu le chiffre d'inflation en Angleterre à plus de 10%, il y a des pays en Europe qui sont entre 15 et 20% d'inflation. Donc des inflations qui sont à de tels niveaux que les banquiers centraux ne pouvaient pas rester inactifs. Les bras croisés, voilà. Ils sont intervenus, oui. C'était normal, et donc ils ont d'abord normalisé le discours, et ensuite ils sont passés en territoire restrictif, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à dire on va retirer des liquidités dans les économies pour ralentir les économies et lutter contre cette inflation. Et évidemment, c'est un peu la double peine, parce que quand vous avez de l'inflation et en plus vous avez un ralentissement économique, c'est vraiment le cocktail le plus compliqué à gérer pour une économie. Et ce, alors même qu'en 2021, on avait presque trop de croissance et on avait finalement pas trop d'inflation. On avait le bon mix en 2021, on avait le mauvais mix, on a le mauvais mix en 2022. Donc les marchés financiers se sont ajustés. Finalement, ça aura pris quelques mois. Oui. Ça se traduit par des ajustements sensibles au niveau des prix d'actifs, les marchés d'actions, les marchés obligataires. Je crois qu'il ne faut pas être totalement pessimiste parce que, d'abord, les investisseurs qui avaient souscrit dans Matelas l'année dernière ont pu bénéficier d'un premier trimestre d'investissement, c'est-à-dire le quatrième trimestre 2021, qui était quand même plutôt porteur. Donc ça constituait une certaine réserve de performance. Deuxième, c'est qu'on se rend compte que les différents blocs, aujourd'hui le bloc américain, le bloc européen, le bloc asiatique, ne réagissent pas de la même manière à ce triple choc. Et donc la diversification géographique, ça fonctionne. Et on avait construit ces grilles de manière d'où la grille globale dont vous nous parliez, Henri. Mais ça c'était une conviction, on va dire, historique chez BlackRock. On peut dire que ça se vérifie encore aujourd'hui et sans doute encore plus demain. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de sujet. Et le troisième point positif, on va dire, de cette crise, c'est le fait que même si on a eu une très forte baisse des prix d'actifs, les perspectives à moyen ou long terme, elles, ne sont pas fondamentalement revues à la baisse. BlackRock réalise tous les trimestres une estimation des rendements attendus sur les grands actifs, les marchés d'actions et les marchés d'obligations. On reste avec des perspectives positives sur les marchés d'actions, sur les marchés obligataires, notamment les obligations d'entreprise. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'année 2022 est difficile du point de vue des performances, d'une certaine manière, on a rechargé le potentiel de performance pour les années à venir. Et donc, les investisseurs qui vont continuer à investir régulièrement dans ces produits d'épargne, eh bien, ils vont pouvoir accéder à des actifs qui, aujourd'hui, s'inscrivent à des niveaux bien moins élevés qu'ils ne l'étaient par le passé. C'est l'avantage d'investir sur le long terme pour préparer sa retraite. C'est tout l'avantage. Et d'investir régulièrement. Et d'investir régulièrement sur le long terme. Et voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour ces explications sur le PER Matelas. Merci, Laurent. Merci, Laurent. C'est fini pour ce Bourse au Focus, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.